Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Gil Evans, Paris Workshop, c'est le titre de ce double album qui vient de paraître et qui marque donc le retour de Laurent Cuny, qui rend un hommage en fait à Gil Evans, avec qui il avait travaillé déjà. Oui, c'est ça, Laurent Cuny d'abord, c'est un jazzman, pianiste, chef d'orchestre. Il a dirigé pendant plusieurs années l'Orchestre National de Jazz. Et puis c'était fait discret ces dernières années. Il a enseigné la musicologie, il l'enseigne toujours à Paris, à la Sorbonne. Il a même écrit un opéra jazz, ça s'appelait La Tectonique des Nuages. Le revoici avec un big band de 16 jeunes musiciens pour rendre hommage, en effet, à ce qu'on pourrait dire Gil Evans, l'un de ses maîtres. Alors, petit rappel, Gil Evans, c'est après Count Basie, après Duke Ellington, l'un des grands jazzman qui a, on peut dire, révolutionné les arrangements, l'orchestration jazz avec un côté plus classique. Il a notamment fait 4 albums avec Miles Davis. Et Laurent Cuny, en effet, ne fait pas ce disque uniquement par admiration. Non, ils ont joué ensemble dans les années 80. C'est un double disque avec d'un côté des compositions de Gil Evans réarrangées, on est dans l'esprit de Gil Evans, et puis des compositions originales de Laurent Cuny. Et là aussi, dans cet esprit d'orchestration, le résultat est absolument grisant. Vous allez l'entendre, une espèce de balade dans toute l'histoire du jazz. Gil Evans, c'est devenu une référence pour l'arrangement de jazz en général. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître à la fin de sa vie, parce que j'ai écrit un livre sur lui. Et j'ai eu la chance encore plus grande de pouvoir jouer sa musique avec mon orchestre. C'était malheureusement tout à la fin de sa vie. Et en plus, je l'ai joué avec lui. Donc c'est vrai que j'ai une relation privilégiée à cette musique. Quelques compositions de lui qui ont été arrangées par lui-même, que j'ai reprises, un peu modifiées, mais pas beaucoup. Il y a aussi beaucoup de compositions d'autres personnes qui l'avaient lui-même arrangées, que moi j'ai réarrangées. Et puis, il y a des compositions à moi et des arrangements à moi, aussi sur des compositions d'autres personnes. Donc, c'est assez varié. Disons que on a placé cet orchestre sous l'esprit de Gil Evans. Je pense que c'est ce qui résume le mieux la nature du projet. Ça faisait partie du principe fondateur de l'orchestre, de le faire avec des musiciens jeunes et qui sont évidemment beaucoup plus jeunes que moi et qui ont en gros l'âge de mes enfants et qui ont l'âge que moi j'avais quand j'ai joué avec Gil Evans. C'est pour l'idée, oui, bien sûr, d'utiliser cette vitalité de la jeunesse, cette façon qu'ils ont d'entendre la musique qui n'est pas la même, qui n'est pas exactement la même culture musicale que nous on a. Ça dynamise le projet en général et je suis très heureux de ça. Ouais. Puisqu'on parle de jazz, Jean-Baptiste, deux coups de cœur pour deux disques récents, différents bien sûr, du piano d'abord avec Laurent De Wild et Ray Lema. Oui, c'est la rencontre entre le pianiste français Laurent De Wild, tout chatou génial, et puis le grand et non moins génial musicien congolais, guitariste, compositeur, Ray Lema, qui a notamment collaboré avec Fela Kuti et Tony Allen. Il avait même dirigé la rencontre historique, musicalement la rencontre historique, entre George Foreman et Mohamed Ali à Kinshasa en 1974, là c'était de la boxe, mais il y avait aussi de la musique. Leur disque qui est sorti il y a quelques semaines s'appelle Riddles, énigme. Mais ce n'est pas vraiment une énigme, cette musique, c'est plutôt une évidence. Ça fait 25 ans qu'ils se connaissaient tous deux et ils ont décidé finalement de jouer à deux pianos. Le disque est sorti il y a quelques mois. Depuis, Laurent De Wild et Ray Lema tournent régulièrement partout dans le monde. Ils étaient les invités de TV5 Monde d'Acoustique en début d'année. Est à revoir sur internet. Et puis on va terminer avec ce qu'on appelle le piano à bretelles, c'est-à-dire l'accordéon, et Richard Galliano qui célèbre ses 32 ans, je crois, de disques
avec un album. Si on compte juste, oui, 32 ans, parce que le premier album date de 1985, il s'appelait Spleen, et ça a été le début de cette aventure du New Music Quartet, avec bien sûr la musette, le jazz, mais il a fait aussi de la musique brésilienne ces dernières années, même de la musique classique. C'est un disque qui traverse ces trois décennies avec des titres majeurs et son quartet New Musette, et des musiciens absolument extraordinaires comme le batteur André Ceccarelli. La New Jazz Musette qui vient de sortir. Richard Galliano, merci, merci Jean-Baptiste, à bientôt. À bientôt.